très choqué. Très choqué quand on fait visite les NSDC de Trovis. C'est les sato des NSDC Trovis. Et ils trouvent dans circonscription, ancienne circonscription du ancien premier ministre, Dr. Navin Ramgoolam, qui est là pendant 3 mandats ici. Et ça donne la case là, les considérer pour ban du monde pauvre. C'est ban du monde low cost housing. Ça. Et de faire bien, bien triste aujourd'hui. Qui est dans du monde, qui gagne sa qualité de la case là, et dans 22 petits enfants, petits babas, mineurs, qui sont propriétaires de la case là. 22 propriétaires de la qualité de la case. Donc, ce petit mineur là, vous êtes tous par mois, votre salaire pour déclarer jusqu'à 139 000 roupies par mois. Il varie entre 46 000 à 139 000 par mois. Donc, il y a 76 unités en total. Et il est livré en 2008. Ça, la carte. La plupart des résidentiels, ils n'ont pas toujours ici. Ils ont pas rendu comme un campement parce qu'il y a un pied dans l'eau à côté de Trovis. Et là, c'est la case là, vous connaissez. Le gouvernement actuellement nous peut dépenser 1,2 million de roupies pour la case de la chambre. 1,2 million. Des chambres à coucher. Et ici, c'est la case là, nous vendons 746 000 roupies. Donc, c'est ça que Dr. Navin Ramgoolam appelle Tidjimoun, qui reste dans sa construction quotidienne. Il donne la case pour un petit du monde. Et voilà ce qu'il appelle le petit du monde aujourd'hui. Donc, pour nous, ce qui est révoltant, il y a beaucoup de monde pauvre dans la case dans sa pays. Hein. Moi, il y a à peu près un plus de. Hein, combien demandeur. 17 300 du monde pauvre dans la case pour rester. Terrain, cadeau. Et un du monde qui paye tous 139 000 roupies ou donner 746 000 roupies à la case. Ça, dans mon rien pas pour ça jamais. Aussi longtemps que mon ministre, jamais pour sa qualité. Donc, ce qui est arrivé, il y a beaucoup de proches, il y a beaucoup de grands du monde. Il y a la famille, un grand agent parti travailler. Et il y a du monde qui fait grand-père ministre, petits enfants qui gagnent la terre ici. Il y a même la famille de Arsibadet. Ici propriétaire. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne paraissent ici l'autre vin d'un week-end. La plupart viennent d'un week-end ici. Donc, décision qu'ils vont prendre maintenant pour faire l'enquête serrée l'eau. Un par un, pour faire l'enquête serrée l'eau, chaque placage, chaque propriétaire, qui a une com, qui met une maison. Je peux demander une enquête, je peux nommer une enquête sous la présidence de maître Robin Apaya. Ouvert l'enquête à partir d'aujourd'hui même. Donc, un par un, le background de ce bâtiment qui vient. Et là, qui fait une église. Et là, qui fait une. Astin finit avec. Ils nous ont immigré. Et ils ont pu là, quand ils ont pu Maurice en congé. Les critères qui sont établis pour gagner NSDC, il y en a un, mon challenge. On va attendre un rapport là, venir. Le challenge qui est un qui servit les critères. Ils ont allé, ils ont acheté, ils ont dit, c'est à l'époque là que c'est pas pour acheter 746 000 roupies, pieds dans l'eau. Donc, là, je vais apprendre aussi qu'il finit dans un paquet, il néglige, je vais saisir certaines la case ici, dès maintenant. Ce qui néglige la case là, pas fait habiter, je vais prendre ça et je vais donner du monde low cost. Là, du monde low cost, ce qui peut rôder la case, je vais donner de ça. Immédiatement, il y a certainement la case, je vais. On peut retirer, on peut d'après la loi. Parce qu'il y en a dans le contrat, je cause sous correction mon collègue avocat ici, qui a une clause dans le contrat là, nous allons reprendre la case là, qui ne pas respecter les critères. C'est d'après la loi, nous pouvons utiliser cette clause là et nous pouvons reprendre. Dans la case comme ça, je néglige. Et
Il y en a qui finissent vendus aussi. Vous pouvez le regarder là. Il y en a un acheté ça 746, triplement. Le prix qu'ils ont vendu est triple. Pour faire une enquête, on peut commencer à partir d'aujourd'hui pour mettre Robin Apaya. Il est là pour aller au conseil des ministres. Je vous demande le conseil des ministres, donne-moi le pouvoir pour répondre à la case là et donne-moi ma mère. On fait un devoir, on a bien remercier la presse. Qui c'est la presse qui tient mon attention. Et là, quand je fais un devoir tout de suite, quand on apprend par la presse qui est dans sa. Je viens faire une visite moi-même comme ministre responsable, comme vice-premier ministre, et je peux prendre mesures immédiates. Et ça fait faire moi réfléchir qu'il nous en faut la case. Donc, nous, dans l'avenir, nous pouvons construire la case de la chambre à coucher, la cuisine américaine, salle de bain, toilette, atteignante, un salon, et nous pouvons donner ça à du monde pauvre. Et la case pour coûte nous 1,2 million roupies. Nous pouvons demander de payer 10 400 000 roupies dans 20 bananes. Donc, ensuite, je peux venir avec une place moyenne aussi. Là, ça l'année là, je peux mettre en première la case que vous parlez inaugurer dans mon mandat là, c'est mandat vert. Et là, nous vous montrerons les modèles de la case qu'il nous peut faire. Et ensuite, nous finissons lancer. Dans 3 mois, nous pouvons lancer 1000 la case. Ce contrat, nous pouvons lancer dans 3 mois. Un consultant peut travailler. Donc, dans un an et demi, nous pouvons construire 3000 la case. Et nous pouvons donner un warning. Et nous pouvons mettre dans un nouveau contrat. Dans un nouveau contrat. Si un Djimoun qui gagne la case NSDC, il n'a pas pour gagner la case NSDC de 400 000 roupies, il y a une vente ça, 500 000 roupies, 600 000 roupies, il n'est pas pour gagner droit. Il n'est pas pour gagner droit. Nous pouvons bien sévère dans nos contrats. Nous pouvons réviser ce contrat de favoritisme. Et dans le contrat de favoritisme, nous pouvons mettre un contrat bien discipliné, qui est du monde qui pise la case, qui gagne la case pour lui, pour sa famille. Mais n'a pas à le faire business avec la case gouvernement.